Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Dans une demi-heure, vous retrouverez l'édition nationale. À la une ce soir, une série de noyades sur les plages de la Côte d'Azur. Nous rappellerons les conseils de prudence en ce début de vacances. L'actualité à présent dans votre région. Anne Hidalgo ne soutient plus la candidature de Paris pour l'Expo universelle de 2025. Son cœur ne vibre plus que pour les Jeux olympiques. Une décision très critiquée par les communes limitrophes de la capitale. Et puis le Portugal affrontera ce soir le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro. Un match très attendu par la communauté portugaise. Ils sont 800 000 à vivre en région parisienne. Nous serons en direct d'un bar de supporters dans le 14e arrondissement avec Séverine Laroui. Mais d'abord, un mot d'explication sur l'absence de nos éditions depuis samedi. Un incendie s'est déclaré dans nos locaux de Vanves. Il a provoqué de graves dégâts au niveau des installations techniques et nous a empêchés d'émettre. Tous les services de France Télévisions sont mobilisés depuis samedi pour nous permettre de poursuivre notre mission de service public. Cette édition est d'ailleurs réalisée depuis le plateau de la rédaction de France 3 National. Un grand merci à toutes les équipes techniques.